Je trouve que la constituante devrait être un exercice pour tout citoyen, parce que ça vous transforme. C'était un énorme honneur pour moi d'y être, et je me suis réveillée politiquement à travers ces 3 années, parce que c'est une expérience qui transcende votre propre vie, en fait. Moi, je trouve que c'était extraordinaire. Tout de suite après la Révolution, il y a eu une organisation plutôt incroyable. Il y avait une organisation décentralisée où il y avait des comités dans chaque quartier. Et chacun, tout d'un coup, était politisé, il commençait à avoir des idées. Chacun, en fait, partageait. Et l'erreur qu'on a faite, c'était de tout centraliser dans un truc très bureaucratique qui s'appelle la grande instance pour la protection de la Révolution et la transition démocratique et pour l'honneur des martyrs. C'est une grande instance, mais qui était nécessaire parce que quand on a des comités régionaux ou locaux, c'est difficile d'organiser. C'était nécessaire, mais le problème en Tunisie, c'est que ça a supprimé l'organisation locale plus ou moins. Il n'y a pas eu. Il faudrait trouver un moyen où il y a une mécanique régionale, locale, et en même temps une organisation qui soit inclusive et qui puisse justement écrire la roadmap, comme on appelle, c'est la feuille de route. Parce qu'en fait, en Tunisie, qui a décidé qu'on n'allait pas avoir une élection présidentielle? Qui a décidé la convocation de constituante? Qui a décidé la loi de la parité entre femmes et hommes pour la première élection législative, la constituante, pardon? Tout ça, c'est cette instance. Donc cette instance, je ne critique pas. Je trouve que c'était extraordinaire. Et cette instance n'était pas élue. On a juste rajouté tous ceux qui étaient des grands opposants aux dictateurs. Ça a marché, plus ou moins. Mais le souci, c'est que quand on coupe la mécanique régionale et on a des jeunes qui ont fait la révolution et ensuite ils se retrouvent à être spectateurs. Et ça, c'est dramatique. Et là, vous avortez carrément la révolution. Tout va dépendre de la légitimité, d'où cette assemblée constituante va puiser sa légitimité. Est-ce que c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que c'est un grand mouvement français? Un grand mouvement qui a été créé parce que les gens se rendent compte que c'est plus possible maintenant, on vit vraiment dans c'est plus une démocratie quand un parti politique sort une loi de nulle part, dont il n'a même pas parlé, il utilise un article de la constituante pour le faire passer, et on vous sort les flics si vous voulez essayer d'être contre. C'est plus du tout, faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est plus du tout une démocratie, plus du tout. Et c'est, donc le défi, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'est plus en démocratie. Et je crois que quand on m'a invité à un congrès, c'est la première chose que j'ai dite. En Tunisie, on a un avantage énorme, et vous, c'est votre désavantage. Notre avantage, c'est que nous, on vient d'une dictature. Et donc, il y a une révolution, et donc nous, on sait qu'on n'a pas de démocratie. On est en train de la construire depuis le zéro. Le défi pour vous, c'est de faire comprendre à vos compatriotes qu'ils ne sont pas en démocratie. On revient à la Constitution européenne. C'est la première fois où les gens se sont rendus compte. Ils sont venus avec leur constitution écrite en tout petit, vous votez, les Français ont dit non, et pourtant c'est passé. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement qui a démarré. Mais quand je vois ce mouvement-là au début et aujourd'hui, maintenant vous avez des politiciens de l'établissement français qui parlent de constituante, mais là je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, mais je parle d'autres personnes, qui parlent, qui disent peut-être que le Sénat, on devrait le tirer au sort. Ça commence. Donc l'idée, elle prend. À mon avis, une constitution, c'est un document qui est là pour protéger les peuples. C'est pas du tout un contrat social qui organise les pouvoirs. T'as pas du tout, faut rejeter tout ça, ça c'est pas du tout. Ça sert à protéger le peuple. Ça donne des outils au peuple pour pouvoir être protégé. Envers ceux qui sont au pouvoir. Et en fait, la Constitution n'est pas là pour organiser les pouvoirs, elle est là pour limiter les pouvoirs et en donner au peuple. Quand on est un pays souverain, on peut donner tous les moyens pour cette Constituante de réussir. Et les moyens, c'est les moyens matériels, technologiques et surtout des consultations locales. Comment faire? Parce que le plus important, ce sont les constituantes locales. Ce sont les ateliers constituants. Les ateliers constituants, c'est primordial. D'ailleurs, ça a déjà commencé, ça fait des années qu'il y a des ateliers constituants. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Il faudrait essayer de fédérer ces gens qui, depuis des années, déjà apprennent à écrire leur constitution.
et tendre cette formation à tout le peuple, avant même de commencer la construction. Il faut démarrer dès maintenant. C'est se donner tous les moyens pour faire remonter l'info. Encore une fois, ça doit être très organique et il soit trop transparent. Il faut prendre le temps que ça prenne. C'est pas un problème que ça prenne du temps, puisqu'on a une transition qui continue la gestion des affaires courantes. Et vous pouvez garder un Sénat, une chambre, c'est pareil. La constituante, c'est vraiment quelque chose qui doit inclure tout le monde. Moi, je recommande le tirage au sort. À mon sens, alors, c'est vraiment ce qui va produire une constituante qui soit le plus proche de l'idéal démocratique. Alors, le tirage au sort pour la désignation des membres de la constituante ou... Oui. Et d'ailleurs, la constituante, encore une fois, là on parle que de ça peut être des constituantes régionales et des constituantes locales. D'accord. Celle qui va être centrale, elle va, à mon sens, centraliser et puis écrire et essayer d'avoir toutes ces mini-constituantes. C'est pour ça que c'est un long processus. Mais à mon sens, voilà, la centrale, il ne faut pas avoir peur des gens qui vont dire « Oui, mais si on a des gens qui ne sont pas éduqués, ou si... » Mais non, pas du tout. Nous, en Tunisie, les gens vont vous le dire, hein, la constituante, j'ai beaucoup de journalistes et beaucoup de gens qui ont observé la constituante qui nous disent que c'était une période extraordinaire. On avait l'impression qu'on avait vraiment une société tunisienne. Alors que là, aujourd'hui, en Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple, la moitié, c'est des businessmen. Donc, c'est aussi une façon de perpétuer les intérêts des corporations, des entreprises, c'est de mettre justement des chefs d'entreprise. Donc là, il y a un problème, il y a un problème d'intérêt, de conflit d'intérêt. L'idée de référendum ne devrait pas faire peur s'il y a une grosse mécanique derrière. Oui, bien sûr. Et que les écoles soient... toutes les écoles, les entreprises, tout le monde fait des... En fait, vous pouvez même inventer, avoir une loi qui mette en place l'initiative constitutionnelle. Oui. C'est-à-dire, c'est mandatoire. Donc toutes les écoles, le samedi matin ou le mercredi après-midi, c'est constituante. Toutes les écoles, tous les lycées, toutes les facs, c'est constituant. Parce que c'est un moment historique. Vous allez avoir 5 ans, il n'y aura que de la constituante une après-midi. Et les comités d'entreprise, et les syndicats, toutes les franges de la société. C'est un article que j'ai défendu, la souveraineté alimentaire. D'accord. Mais il n'est pas passé. C'est un peu dommage, mais on a passé beaucoup de très bons articles. L'article 10 qui dit que l'État peut donner priorité à l'économie nationale. Oui. Donc là, vous n'avez plus l'OMC qui va vous dire ben non, vous ne devez pas faire de la préférence domestique. Ben non, notre constitution n'est plus. Donc la constitution, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est un mécanisme, il va vous protéger. C'est ça. Il va vous permettre d'avoir les décisions en main. La constitution tunisienne de 59, il n'y avait pas le mot souveraineté, c'est quand même bizarre parce que c'est après une indépendance. La constitution de 2014, c'est partout. Souveraineté partout. Souveraineté dans la décision nationale, souveraineté par-ci, souveraineté par-là, souveraineté du peuple. Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien et l'État exerce la souveraineté du peuple s'agissant des contrats. Mais c'est extraordinaire. Une constitution, ça peut vraiment mener à des révolutions. Ça peut, et il ne faut pas louper le coche, la monnaie, la ressource naturelle, la souveraineté alimentaire, l'armée, le rôle de l'armée. Parce que ça, c'est important pour moi. Ce sont des thèmes cruciaux. Avec, bien sûr, les droits humains, évidemment.